Voilà. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'Instagram parce que, ben c'est ça, on sait, ça fait parler un petit peu Instagram. Tout le monde se pose la question. On sait que c'est également relié à Facebook, mais comment qu'on l'utilise, comment qu'on va en profiter plus. Donc, j'avais envie de vous en parler davantage, de ce que je sais d'ailleurs sur Instagram suite à des petites formations que j'ai suivies. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vous ai fait un petit PowerPoint. C'est pas mon talent d'ailleurs, PowerPoint, donc ni le partage d'écran. Attends, on va aller chercher ça. OK, là, j'aurais l'avoir. OK, vous voyez mon écran? Oui. Super. Là, je fais lire. Affichage. OK, super. Donc, tout savoir à propos d'Instagram. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est Instagram? Donc, on le sait, c'est un petit peu relié à Facebook, mais c'est surtout une question de photos. C'est comme un magazine, dans le fond, là, j'aime vraiment ça le voir comme ça. J'avais entendu cette phrase-là de « on le voit comme un magazine » parce que quand on arrive sur votre page, c'est tout ce qu'on voit. C'est des photos qui sont reliées une à l'autre. Donc, il faut qu'on sache en entrant sur votre compte qui vous êtes seulement en regardant des photos. Et c'est là que c'est super important de feuilleter, de le faire comme ça, un feuilleté. OK? Fait que j'aime ça prendre l'exemple du magazine de fitness, par exemple. Quand vous allez, est-ce que, je ne sais pas si vous allez déjà feuilleter un magazine de fitness, mais y a pas, on ne parle pas juste de fitness. On ne parle pas juste de comment faire pour s'entraîner ou comment bien manger. On parle de toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'articles qu'on peut retrouver dans un magazine. L'autre fois, j'avais comme Ricardo aussi en tête. J'ai les magazines de Ricardo et on sait, on associe Ricardo à des recettes. Mais dans son magazine, il y a tellement plus que des recettes. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on veut faire. Et le produit qu'on est, c'est vous. Donc, vous devez savoir, là, je ne sais pas si vous avez des papiers et des crayons, mais je veux que vous preniez un petit 2 minutes. Prenez-vous au pire ces questions-là en note parce que c'est un petit devoir qui va être super important de savoir qui vous êtes exactement. Donc, c'est quoi vos intérêts à vous? Bien, j'espère que le fitness et l'alimentation, c'est des choses que vous voulez représenter. Mais autre que ça, est-ce que vous êtes une personne qui aimait le tricot, qui aimait le yoga? Donc, c'est quoi les choses qui vous représentent exactement? T'sais, posez-vous la question, là, qui je suis? Puis là, brainstormer, là, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, là, j'ai sorti une liste, là, je la regarde, là, j'ai peut-être à peu près 15 choses, OK? Donc, je brainstormais, puis j'aurais pu continuer, mais je me suis arrêtée là. Donc, prenez un petit 2 minutes pour faire cet exercice-là et posez-vous la question, qu'est-ce qui me représente et c'est ce qu'on doit voir sur votre Instagram. Donc là, on va vous parler encore de votre fameux avatar parce que, dans le fond, vous allez parler à votre avatar encore et une fois. Et ça, c'est un exercice qui est le fun à refaire aussi, hein, parce que, tu sais, mon avatar à qui je parlais, là, quelques mois, c'est pas le même avatar à qui je parle maintenant. J'ai changé, j'ai évolué. Et, dans le fond, tu sais, j'ai marqué un mélange de vous avant et vous maintenant. Parce que c'est ça aussi qu'on veut, tu sais, on veut parler à la personne qu'on était avant. Donc, qui vous étiez avant Beachbody? Qui vous étiez avant de commencer à prendre soin de vous? Qui vous étiez avant de devenir coach? Et qui vous êtes maintenant? T'sais, vous avez un chemin que vous avez traversé avec tout ça, mais c'est cette personne-là, votre avatar. Donc, vous allez parler à la personne, un mélange de votre avant et de votre maintenant. Je ne sais pas si c'est clair. Là, j'essaie de voir. Parce que là, je ne vous vois pas hein, quand je suis comme en plein écran comme ça. Ah oh non, là, j'ai comme skippé. Mais tu peux, on voyait quand même bien, même si c'était pas en plein écran, Steph, si tu veux nous voir puis voir les trucs, ouais. Mettons, je sais pas si tu vois aussi la conversation puis tout, là, fait que... Ben là, comme ça, vous voyez, bon, là, je suis plus capable de reculer. Là, on voit, mais pas tout au complet. Ouais, c'est ça qui marche pas, là. Attends, merde. OK, c'est mon ordinateur. Mais là, vous voyez pas bien, de même. Ben, c'est plus petit, mais si, mettons, t'as grandi, tu peux-tu agrandir un peu? Il fallait que je fasse lire. En faisant ça, je pense que tu ne vois plus, par exemple. Je ne vois plus, mais si je fais ça... Ah! Là, vous me voyez. Vous voyez bien? Oui, on voit bien. OK, puis moi, je vous vois. Bon, cool. Je vais rester ferme, mais tu m'as dit là, je suis capable. J'espère juste que je suis à la bonne page de mon... En tout cas, je ne sais pas si j'en ai skippé. Non, je pense pas.
Ben, en fait, j'ai comme un petit peu skippé rapidement, mais je parlais de votre avatar, tu sais, qui est important de savoir qui vous êtes avant et qui vous êtes maintenant. Et c'est un bon exercice à faire et à refaire tout le temps. Donc, vous allez parler constamment à cette personne-là dans le but d'avec avec vos 5 thèmes. T'sais, on vous a déjà parlé d'avoir 3 à 5 thèmes que vous devriez avoir sur votre page Facebook. C'est la même chose sur Instagram. Donc là, vous avez fait votre liste de qui vous êtes, qui je suis, qu'est-ce qui vous représente, vos intérêts. Choisissez-en 5 qui vous représentent le plus. Je m'entends en double. Muet tous. Je t'ai sûrement muté, tu t'as démuté, Steph. J'ai muté tout le monde. OK, c'est bon. Merci. Donc, 3 à 5 choses qui vous représentent, et c'est ce qu'on veut voir sur votre Instagram, c'est ce qu'on veut voir, vous voir parler à cet avatar-là qui représente ces 5 choses. Je ne sais pas si c'était clair. OK, c'est ça, je t'ai rendu ici. Donc, sur Instagram, le visuel est super, super, super important. Je pense que vous le savez, on va le redire parce que c'est une plateforme de photos. Donc, il faut que vos photos soient des photos de qualité. Donc, négligez pas ça. La lumière du jour, tu sais, c'est correct. Moi, je prends des millions de photos le jour que je poste le soir. Tu sais, l'hiver, là, il fait noir à 5 heures. C'est correct que vous mettiez une photo à 8 heures le soir. Une photo que vous avez prise dans l'après-midi, là, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, profitez de la lumière du jour pour prendre 1001 photos. Prenez des angles différents parce que sur Instagram, quand on va arriver sur votre plateforme, si vous êtes toujours dans le même angle, à un moment donné, les gens, on veut voir autre chose. T'sais, donc, prenez une photo d'en haut, d'en bas, essayez différents angles chez vous. T'sais, je ne sais pas si vous avez des petits stands là, pour mettre vos cellulaires, ça peut être une autre option également. Accessoiriser, je sais que ça peut avoir l'air drôle, mais si pour vous, par exemple, vous aimez, là j'ai quelqu'un en tête parce que je viens de voir son nom sur ma plateforme, ce que je vais vous montrer tantôt, mais qui tripe sur les licornes, et si vous trouvez un toutou de licorne, là, ben achetez-le, puis mettez-le dans votre décor discrètement, tu sais, pour que ça revienne, allez accessoiriser comme ça avec des affaires qui vous ressemblent, vos photos, pour que les gens puissent savoir en regardant une de vos photos, ah ça je sais c'est qui, il y a une licorne, je sais que c'est sûr que c'est Juliette. N'oubliez pas que les photos, on les fait pour les likes, OK? Do it for the likes. Oui, c'est vraiment ça. On prend des belles photos. Mon chum est encore gêné quand je prends des photos en public, quand je prends des selfies. Ça ne me dérange pas. On le fait pour les likes. C'est pour ça qu'on les fait. Donc, si vous pensez que la photo n'est pas assez bonne pour le mettre sur Instagram et que vous dites « Ah, il faut que je publie aujourd'hui », ne publiez pas. Vous êtes mieux de ne pas publier. On vise la qualité de l'image et non la quantité, OK? Prenez le temps de faire une belle photo. Il faut attirer l'attention. C'est le même principe que Facebook. Le monde scroll sur Instagram. Vous devez piquer leur curiosité. Vous devez... Tu sais, des images claires, là, des images... moi, des images foncées, là, ça ne ressort pas sur un fil d'actualité, OK? Donc là, ici, j'ai mis mon application. Moi, j'utilise PicTapGo, qui est une application payante, mais pas très chère, là, puis elle vaut vraiment la peine. En plus, on peut l'utiliser directement de votre album photo. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir de votre album photo puis d'aller dans une autre application. Directement de votre album, vous pouvez l'utiliser puis faire éclaircir. Il y a toutes sortes de façons de blanchir l'image et tout. Donc, moi, je l'adore, mais je sais qu'il y a plusieurs coachs qui aiment beaucoup VSCO ou Canva, etc. Vous savez, vos applications, faites des recherches, il y en a une panoplie. Avoir un thème. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens ressentent quand ils vont sur votre page? Donc, est-ce que vous êtes une personne qui est plus calme, qui est plus zen? Donc, quand les gens vont arriver sur votre page, ils vont faire comme « Ah oui, tu sais, c'est feutré, on peut voir les couleurs qui sont moins intenses. » Ou au contraire, vous êtes super coloré avec des couleurs punchées. Donc, qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent? Et ça, vous devez l'avoir sur toutes vos photos parce que, comme je vous l'ai dit, c'est comme un magazine. Donc, les gens vont voir toutes les photos d'un coup d'œil. Il faut être intentionnel. Toutes les photos, là, c'est là que je vais vous montrer les pages que je suis, mais toutes les photos que vous allez publier,
il faut que vous pensez d'avance à ce que ça va avoir de l'air sur votre page. Donc, c'est vraiment plus intentionnel que sur Facebook parce qu'on peut publier 2-3 recettes back-à-back. Ça paraît pas trop dans notre fil d'actualité ou dans notre page vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tandis que sur Instagram, il y a vraiment un suivi qui se fait. Donc, il faut être intentionnel dans la façon qu'on pose les photos. Là, j'avais comme exemple Kim Fitzpatrick, qui, elle, on voit clairement qu'à chaque 3 photos, elle met une citation pour avoir cette image-là. Eux autres, les Fitzpatrick, là, ils ont une image, là, on voit beaucoup les grains dans leur image, qui ressort énormément dans leurs photos. Donc, on peut tout de suite voir là, que c'est eux autres là, avec le background qui est plus flou, mais avec les grains qui sont tous ressortis. Et ici, donc, elle, à chaque 3 photos, là, elle met une citation ou une phrase sur un fond blanc. Donc, si la 4e photo, elle décide de ne pas mettre ça, là, ça va tout débalancer ça en magazine. Là. Donc, ça, on ne veut pas ça. Donc, il faut... Moi, avant de poster sur Instagram, je vais toujours revoir qu'est-ce que j'ai mis avant. Faut que vous pensez que la photo va être... je vais retourner en haut. Que la photo va être à côté de celle-là, en dessous de celle-là, de ce côté-là. Donc, vous devez penser à ça avant de publier. Ça a l'air d'être un gros travail, mais ce n'est pas. Puis même que moi, je trouve que ça m'aide à voir... des fois, je peux aller voir... qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Des fois, on se pose des questions. On se pose trop de questions, soit dit en passant. Là. Mais on va voir. Je vais aller voir. Ah, ben j'ai pas publié des recettes. Ça fait longtemps. Donc, tu sais, je suis rendue là dans mon pattern de publication. Donc, ça m'aide également à avoir une meilleure constance sur ma page. La deuxième fille que je voulais vous montrer, c'était, je l'ai montrée tout de suite, c'est Crystal Currier. C'est elle qui m'a donné ma formation sur Instagram. C'est elle que je parlais de licorne, de couleurs pastel. Tu sais, comme on peut voir sur sa page, elle prend toujours les mêmes filtres avec le fond, tu sais, un peu mauve, un peu rose dans ses couleurs pastel. Et même qu'elle, elle pousse un petit peu la note avec ses cheveux. Elle nous a avoué, là, je fais un petit scoop, là, mais elle nous a avoué qu'elle m'a donné, elle était retournée au blond, puis qu'elle se l'a fait dire par les gens qui la suivent, ben voyons donc, il me semble que tes photos, là, si c'est moins toi, on te reconnaît pas. Fait, elle dit, donc, je suis retournée au mauve. Donc, tu sais, les gens, là, ils nous suivent, ils nous regardent aller. Donc, allez voir également des pages. Tu sais, si vous aimez ça, là, je reviens au tricot, pourtant, je tricote pas, là. Mais si vous aimez ça, le tricot, ben allez voir des pages qui vont vous inspirer, vous, que vous aimez, pour aller voir, tu sais, quel genre de couleur, quel genre de thème que vous voulez donner, vous, à votre page Instagram. Instagram, là, c'est du donnant-donnant, OK? Donc là, j'ai marqué donner. Donc, on parle à peu près donner de 80% de valeur et de valeur qu'on va donner aux gens pour ensuite qu'on peut demander un 20%, OK? Donc là, vous allez donner des trucs, donner des citations, de la motivation, de l'inspiration, vous allez les aider. Puis après ça, vous allez pouvoir demander... Mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Vous allez pouvoir demander de participer à un défi, demander s'ils veulent être coach, de devenir un info coach, devenir un groupe d'information, devenir. Là, vous allez pouvoir demander. Ça me fatigue la barre, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça. En tout cas, le call to action, c'est aussi important de le faire et je pense que c'est, je vais dire son nom, là, j'ai un blanc, une autre fille sur Instagram que je suis beaucoup, qui elle le fait subtilement dans tous ses posts. Elle fait un call to action et là, c'est important de le varier. Fait que demandez pas tout le temps « like cette photo-là », double-click parce que les gens peuvent double-click pour faire un cœur, donc tu sais, demandez de commenter, demandez des idées, demandez d'envoyer un message. Instagram voit, eux autres, ils veulent créer des liens, pareil comme Facebook. Ils veulent, plus vous êtes amis avec les gens, plus il y a plus vous échangez avec les gens, plus Instagram va vous montrer à ces personnes-là. Donc, si vous leur demandez, toi, est-ce que tu te sens comme ça, like ma photo, ils peuvent également l'enregistrer. C'est une sorte de partage quand vous enregistrez la photo avec le petit drapeau en bas. Ça, c'est une sorte de connexion que Instagram fait également. Donc, n'ayez pas peur de demander les call to action. Là, j'ai marqué Linktree ici parce que moi, j'ai mis le lien. Je sais que plusieurs coachs le font pour mettre un lien dans leur bio sur Instagram. Vous pouvez rentrer votre bio lorsqu'on voit votre photo. Je vais aller voir les filles ici.
Ici, on peut voir leur bio et ils ont souvent un lien ici que tu peux cliquer pour soit avoir un accès directement à leur courriel ou à un formulaire ou à un groupe défi, par exemple. Donc, n'ayez pas peur de mettre un lien ici. C'est super, super important, super facile d'accès aussi pour les gens. Puis vous pouvez leur dire également dans les stories, allez cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Donc, c'est un bon call to action à faire. Donc, les Insta Stories, c'est de l'or en barre. J'appelle ça ma télé-réalité. Donc, je suis là-dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je bois mon Energize, je le prends en photo. Puis ça, tu sais, variez-les, tu sais, prenez des photos. Il y a toutes sortes de stories qui sont intéressantes à utiliser sur Instagram. Vous pouvez faire les boomerangs, vous pouvez faire les vidéos, vous pouvez faire un enregistrement main libre pour être un peu plus éloigné. Donc, vous pouvez enregistrer vos entraînements, mais soyez présente à tous les jours. Les gens, ils veulent vous connaître. Ils veulent premièrement, ils veulent savoir vous êtes qui. Puis une fois qu'ils vont vous connaître, ensuite, ils vont pouvoir vous aimer. Puis une fois qu'ils vont vous aimer, là, ils vont vous faire confiance. Donc, ils vous font jamais confiance. J'ai une question pour toi au niveau des stories. Comment? Une question pour toi au niveau des stories. Oui. Tu disais qu'il y avait différentes façons de les prendre, dans le fond, tout ça. Puis celle qui est en main libre, tu sais, des fois, je vois des stories de coach qui sont déjà loin. Tu sais, genre, tu vois pas qu'ils ont la main, qu'ils ont pesé sur le piton, mettons. Je sais pas comment ils font ça. Ben, moi, je fais, dans le fond, il y a l'option main libre. Ouais. Il y a un décompte. Quand tu pèses longtemps sur le bouton, il y a un décompte 3, 2, 1. Ah, je savais pas. Il y a un petit décompte. Quand tu pèses longtemps sur main libre, là, il faut juste que tu t'appuies comme un 3 secondes. Ah, OK. Donc, là, il y a un décompte qui se fait. Mais moi, je trouve que j'ai comme pas assez le temps d'aller me placer. Fait que j'ai ma petite manette. OK, t'as une manette. OK. J'ai la manette. Puis là, je me place sur main libre. Puis là, quand je suis loin, je pèse sur la manette. Puis il y a le décompte qui part. 3, 2, 1. OK. Bon, ça doit être ça qui va me placer. OK, parce que c'est ça, je me dis, c'est justement, quand tu fais tes workouts, puis juste le temps que tu te recules, puis tu te places, t'es rendu à 10 secondes, genre. Ouais, c'est ça. Ben, au début, je faisais ça, puis là, je rushais, j'avais pas vraiment le temps. Non, là, c'est ça. Les deux, donc main libre et manette en main. OK, parfait. Ouais. Fait que, ouais, ça, j'aime ça. Qu'est-ce que j'utilise? Le Super Zoom, moi, je le trouve drôle pour certaines choses, tu sais, ça dépend pourquoi, là, mais, tu sais, moi, je mets vraiment tout là-dessus, tu sais, au début, j'étais pas super à l'aise à montrer ma famille sur les réseaux sociaux, mais les stories, c'est tellement comme ils veulent voir ta vraie vie, tu sais, puis souvent, moi, je reprends pas mes stories, tu sais, des fois, je vais les reprendre, là, quand c'est vraiment trop extrême, mais quand je fais une vidéo, puis que mon chien part à japper, ou que je bafouille, parce que je bafouille souvent quand que je parle, mais je le reprends pas, tu sais, je fais juste le mettre, puis je pense que les gens trouvent ça drôle, puis c'est juste que c'est ça, tu sais, mon chien part à japper, je fais comme, bon, désolé, vraiment fort, mais, ou un enfant qui pleure, tu sais, donc je le laisse là, puis c'est vraiment ça, je pense que les gens, tu sais, c'est ça, mon autre point, tu sais, soyez vulnérables, soyez vous, tu sais, les gens, ils veulent avoir de la transparence. T'sais, ils veulent savoir vous êtes qui. Ils veulent avoir confiance en vous. Puis pour avoir confiance en vous, ben c'est ça. Il faut qu'ils vous aiment d'abord. Puis il faut qu'ils vous connaissent d'abord. Ben, t'sais, si vous ne leur montrez jamais qui vous êtes réellement, ils ne pourront pas faire ces connexions-là avec vous. Y avait-il d'autres questions dans le... Non? C'est bon? Okay. Les fameux hashtags. C'est la grosse chose sur Instagram, okay, qui est différente de Facebook. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'aller directement chercher votre avatar. Parce que sur Facebook, tu sais, oui, on vous dit parler à votre avatar quand vous écrivez un texte, lisez-le à voix haute. Est-ce que tu parles vraiment à ta meilleure amie? Est-ce que tu es vraiment en train de parler à ton avatar quand tu fais ça? Tandis qu'avec les hashtags, c'est hyper facile d'aller directement parler à cet avatar-là parce que vous avez simplement à faire des hashtags qui vous représentent. Là, le nombre d'hashtags, il change continuellement. Moi, je me tiens autour de 20, c'est ce que j'ai entendu. À un moment donné, c'était plus que ça. Après ça, c'était moins que ça. 20, là, c'est bon. Moi, personnellement, je les mets en commentaire de ma publication. Donc, je publie, puis après ça, je m'en vais commenter avec mes hashtags en commentaire de ma publication. Je sais qu'il y en a qui, encore là, ça change. Est-ce que c'est mieux de le mettre directement dans la publication? Si, par exemple, je dis j'ai fait un muffin aux carottes, tu sais, je pourrais faire dans l'application hashtag muffin aux carottes, par exemple, puis continuer, puis après ça, aller mettre mes autres 20 hashtags dans la publication. Ce qui est important de savoir également, c'est que c'est les premiers hashtags qui sont
plus montrer. Donc, Instagram va vraiment cibler les premiers hashtags, puis après ça, ils vont descendre en ordre de priorité dans votre liste. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets vraiment les premiers qui me représentent. Donc, moi, je suis qui? Bien, moi, il y a souvent maman de quatre, maman avant tout. Tu sais, tous ces hashtags-là que je vais mettre, mes intérêts à moi, que je vais mettre en premier, puis après ça, bien, je vais y aller selon ma publication. Donc, si c'était un info coach, je vais y aller plus avec ça. Si c'était une recette, je vais y aller plus avec des hashtags de bouffe. Moins de followers, oui, des intérêts, excusez, je saute des parties, mais tu sais, vous pouvez faire des hashtags de boutique, tu sais, si jamais vous portez... Moi, souvent, quand je fais mes vidéos d'entraînement, quand je sais que je vais me filmer en faisant des entraînements, j'ai une paire de leggings qui vient d'une petite boutique près de chez moi. Donc, je mets ce legging-là exprès pour pouvoir le taguer dans ma publication. Puis là, une fois que je l'ai tagué, lui voit que je l'ai tagué. Donc, il like. S'il aime ma vidéo, ma photo, il peut la republier. Et tout le monde qui suit cette boutique-là va voir ma publication également. Et tu sais, s'il aime mon legging, il risque d'aller voir vice-versa. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Encore là, ça revient à ça. Mon gars, j'amène des jouets. Donc, les hashtags moins de environ 10 000, là, c'est vraiment global. Mais tu sais, allez pas faire un hashtag qui a 2 359 000 publications là-dessus. Et ça, quand vous allez aller faire vos hashtags, vous allez pouvoir le voir. Donc, quand vous allez sur Instagram, vous commencez à écrire hashtag maman en santé. En français, il y en a un petit peu moins. Mais si vous mettez, tu sais, healthy lifestyle, là, il y en a comme vraiment beaucoup. Sauf que Instagram va vous donner des suggestions puis là, vous allez pouvoir voir à côté de ce hashtag-là combien il y a de publications. Donc là, je vais vous donner un exemple. Disons que je vais publier sur ma page, puis que je fais hashtag maman. Ben, mom, là, souvent, là, c'est très populaire, tu sais. Fait que mom, il y en a comme 29 537. Donc, si je tag mom, les chances que la personne qui recherche le hashtag mom me voit sont comme assez minces. Tandis que là, ils viennent de me faire un paquet de mom life, il y en a déjà juste 22 millions, il y en a un peu moins. Dog mom, donc si vous êtes des mamans de chiens, ça peut être, tu sais, ça descend un petit peu plus. Mais normalement, je peux continuer, là, mom life. Mom Life avec des cœurs, là, il descend à 18 000. Donc, j'aurais probablement mis celui-là parce que j'ai plus de chances d'être vue par les gens vu qu'il y a moins de publications dans ce hashtag-là. Les gens vont rechercher les hashtags qui leur ressemblent. Donc, encore là, c'est super facile d'aller parler directement à votre avatar avec ces hashtags-là. Vous pouvez les sauvegarder. Moi, ce que je fais, c'est que des fois, je vais commencer à les publier comme ça, tu sais. Je vais aller voir sur une nouvelle publication sur le coaching. Là, je vais faire des hashtags. Ah, je les aime, ceux-là sont cool, je ne les ai jamais utilisés. Je les aime. Donc là, je vais les copier puis je vais les garder dans mes notes de mon cellulaire pour qu'après ça, bien, j'ai juste à aller faire des copies-coller parce qu'on s'entend que, tu sais, aller chercher 20 hashtags à chaque publication, c'est assez long, tu sais. On perd beaucoup de temps. Donc, si vous faites des copies-coller comme ça, là, puis tu sais, j'ai des catégories, là, j'en ai pour l'hiver. Au Québec, c'est ça qui est un peu plus difficile avec les hashtags. On hashtag en français, on hashtag en français, en anglais. J'ai dit en anglais et en français. Donc, c'est plus difficile d'aller vraiment cibler les gens du Québec. Donc, ce que j'ai fait cet hiver, ou même là, je vais le faire au printemps, mais que je taguais genre l'hiver au Québec, il neige, tu sais, des affaires vraiment plus spécifiques aux gens du Québec qui vont regarder. Vous pouvez également faire des géotags. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre page professionnelle. Je vais vous en parler un petit peu plus, la différence entre la page professionnelle et la page personnelle. Mais vous pouvez utiliser les géotags. Ça, c'est dans le fond la localisation. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Et ça, j'aime ça le faire tout le temps, même que vous pouvez mentir sur l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, tu sais, si vous voulez aller plus art large, tu sais, on s'entend que moi, si je suis ici dans ma maison puis que je vais chercher ma localisation, ben moi, je reste dans un petit village. Là, ça m'amène pas ben de vue. Tu sais, tandis que je peux aller faire recherche, je vais écrire Montréal-Québec, par exemple, ou juste Québec-Québec. Et là, ça, je peux le taguer puis ça va me mettre beaucoup plus de visibilité comme ça. Vous pouvez, lorsque vous allez dans des petites boutiques, c'est vraiment... Moi, j'aime vraiment ça. Là, des fois, je vais travailler dans un petit café. Je géotague toujours, toujours, toujours quand je vais travailler là. Tous les gens qui vont travailler dans ce café-là voient ma publication. Le café like ma publication. Ça fait beaucoup, beaucoup de va-et-vient comme ça. Tu sais, les restaurants, les boutiques que vous aimez, là,
vous mettez vous pouvez vraiment, si vous mettez un chandail d'une boutique proche de chez vous, vous pouvez aller le géolocaliser directement en faisant une recherche dans cet onglet-là. Dans les stories également, vous pouvez utiliser les hashtags et les géotags, donc ne négligez pas ça. Moi, ça fait tellement une grosse différence quand je les mets. Et des fois, ça fait pas super beau. Tu sais, des fois, on aime notre photo, mais on est comme, je veux pas mettre un géotag là-dessus. C'est pas super beau. Donc, je les cache. Donc, dans le fond, quand que vous faites une géolocalisation, il va apparaître comme en bleu mauve, je pense. Mais si vous recliquez dessus, il vient comme blanc-gris. Et là, je le rapetisse au plus petit, puis je le cache dans la photo. Il est vraiment là, non visible, sauf que le tag est quand même sur la photo. Donc, la photo est vue par tous ces gens-là sans même savoir que j'ai tagué cette place-là. Donc, ça, c'est un petit truc. Vous pouvez faire la même affaire avec les hashtags. Donc, un autre petit truc, là, c'est super simple, là, sauf que les hashtags, si vous allez dans les stories, que vous allez chercher la petite, que vous faites le swipe up pour aller chercher le hashtag là, qui est déjà fait pour vous, vous pouvez l'utiliser seulement une fois. Donc, si vous voulez utiliser plus qu'un hashtag dans les stories, ben moi, je vais juste rajouter en texte puis ça marche. Là. Vous pouvez acheter autant d'hashtags dans un stories en l'ajoutant en texte là, et non par la petite chose déjà faite. Le fameux algorithme, l'algorithme, c'est un petit peu similaire à Facebook, mais Instagram, c'est ça. Comme je l'ai dit, il aime beaucoup les échanges. Il voit toutes les choses que vous likez et que les gens vont liker. Donc là, c'est vraiment le moment pour vous aussi de sortir de votre compte et d'aller voir les personnes qui vous intéressent. Allez les voir les hashtags, allez les voir les localisations des gens qui vous intéressent de votre avatar et allez voir les filles, allez liker leurs publications. Et quand Instagram voit qu'il y a des likes comme ça qui s'échangent, là, ils vont de plus en plus montrer ce fil d'actualité-là. Donc ça, c'est une des façons que... Instagram va vous montrer. Ils ont des heures de publication également. Avec la page professionnelle seulement, vous pouvez voir les statistiques. Personnellement, je me promène d'une page professionnelle à personnelle, puis je me branche pas parce que j'aime beaucoup que mes stories soient publiées sur ma page personnelle à moi, Facebook, et non sur ma page pro. Mais ça, c'est un choix personnel. Sauf que avec la page professionnelle, vous pouvez avoir les statistiques. Vous pouvez vraiment voir quel jour, quelle heure que vos followers sont là. Et c'est là qu'il faut publier parce que, encore là, c'est une question de secondes que votre avatar passe les photos. Il faut arrêter le regard. Instagram voit quand les gens s'arrêtent sur votre photo. S'ils s'arrêtent plus longtemps sur votre photo, qu'ils prennent le temps de bien la regarder et qu'ils ne font pas juste la swiper, Instagram va le prendre en note. Donc, il vous faut une photo, un, qui punch, qui va attirer l'œil, qui vont vouloir arrêter sur votre photo. Mais deux, il faut également que vous ayez un titre accrocheur. Instagram, c'est pas là, c'est pas un blog. Ils veulent pas lire 500 mots. Il faut que ça soit un texte court. Mais s'ils peuvent voir le titre accrocheur et qu'ils ont le goût de peser plus pour continuer de lire et qu'ils prennent le temps de lire ça, Instagram voit que les gens ont pris le temps d'arrêter votre photo et de lire votre photo. Et là, ils vont montrer, ils ont dit, ah, ben cette personne-là, elle a aimé ça, qu'est-ce qu'elle a vu de Annick? Ben on va continuer à montrer les photos d'Annick parce qu'elle a aimé ça, elle a arrêté pour le lire. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour l'algorithme. Sortez, go out, allez commenter, abonnez-vous. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, c'est du donnant-donnant. Aussitôt que les gens... J'ai publié récemment, j'ai boosté une publication sur Instagram. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de likes dessus. Je suis allée faire un tri, OK? Il y a vraiment un tri à faire sur Instagram. Mais je vais voir, je vais prendre le temps de voir les personnes. Et quand que je vois qu'une personne, ses photos m'attirent, je vois que c'est une maman, je vois que c'est une jeune fille, je vois qu'elle a de l'énergie, je vois qu'elle me ressemble un peu, je vais m'abonner à son profil, même si c'est privé, les gens m'acceptent tout le temps. Je vais m'abonner à son profil et automatiquement, là, je vous jure, là, il se réabonne à moi. Donc, c'est vraiment du OK, elle s'est abonnée à moi, ben je vais m'abonner à elle. Tu sais, comment ça qu'elle s'est abonnée à moi? Je suis curieuse, je vais aller voir sa page. OK, ben je vais m'abonner. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, encore une fois, je l'ai dit, là, mais utilisez les géotags ou les hashtags qui vous représentent pour aller voir c'est qui ces filles-là que vous voulez suivre, que vous voulez qui attire votre avatar. Armez-vous de patience,
faites confiance au processus. Donc, continuez, soyez constante, soyez présente à tous les jours. C'est ce que les gens veulent voir, c'est ce qui va faire la différence. Restez curieuse, ça change continuellement les réseaux sociaux, il y a toujours des nouveautés. Instagram, en plus, lorsqu'ils font des nouveautés, ils nous l'envoient dans les stories. Donc, vous allez toujours le voir quand il y a une nouveauté Instagram. En haut, quand vous allez voir les stories, c'est toujours le premier aussi qu'il y a une nouveauté. Prenez, ça dure comme même pas 10 secondes. Prenez 10 secondes, allez regarder c'est quoi la nouveauté. Que ça soit, tu sais, maintenant, il y a les GIF dans les Instagram stories. Que ça soit ça, que ça soit comment faire pour piner un emoji, comment faire pour... Bref, peu importe, les nouvelles Instagram sont toujours, toujours là. Donc, allez les voir. Encore une fois, YouTube, c'est une mine d'or. Tu sais, allez taper Instagram, puis vous allez pouvoir continuer votre formation là-dessus. Donc, c'était un peu ça. J'avais comme tellement plein d'autres affaires à vous dire, mais là, je pense que j'ai fait comme beaucoup d'informations avant. Ça, c'est pas fait. Est-ce qu'il y avait... J'ai pas vu le chat pendant que... On se demandait, Steph, tu sais, je pense que ça survolé l'aspect, mais tu sais, les points, là, que genre, ça fait en sorte que c'est juste pour cacher les hashtags, ça, dans le fond. Quoi, ça, excuse-moi? Tu mets, mettons, tu écris ta publication, puis là, tu fais point, 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 puis là, après ça, en bas, t'as les hashtags. C'est pourquoi, ça? Pour les cacher, dans le fond, parce que c'est ça, les gens, ils veulent pas voir beaucoup de texte. Donc, tu sais, si tu mets tous les hashtags, là, c'est pas super beau, donc les gens, ils vont juste comme skipper. Même moi, quand je vois juste des hashtags, je lis pas. Je lis pas tous les hashtags que la fille a mis. Donc, c'est vraiment esthétique, là. Puis, est-ce que de le faire en commentaire, c'est aussi, ça augmente autant ta visibilité que si tu le fais comme ça, avec les points plus bas, ou... Ben ça, ça a comme changé, tu sais, ouais, au début, c'était OK, il faut que ça soit dans la publication, là, après ça, OK, c'est mieux en commentaire, fait que moi, je continue à les mettre en commentaire, ça va bien. OK. Mais, ouais, faudrait regarder, je sais pas. Puis est-ce que tu investis de la pub sur Insta, est-ce que tu sponsorises des publications précises ou... Je l'ai faite, puis c'est ça, c'est vraiment beaucoup de travail quand on le fait parce que c'est vraiment at large, même si je détermine bien je cible bien ma clientèle, il y a vraiment beaucoup de monde, puis tu sais, des fois, ça me fait toujours rire, tu sais, je commence à parler avec une fille, je suis comme, ah, elles sont belles ces photos, elle a de l'air cool, tu sais, puis je commence à parler, puis ah, ben qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben j'étudie, ah, qu'est-ce que tu fais, ben je finis mon secondaire, là, j'ai 15 ans. OK. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, oui, c'est un petit peu plus de travail sur Instagram, contrairement à Facebook, mais j'ai vraiment beaucoup plus de résultats. J'ai vraiment des belles conversations. Les gens sont super ouverts à parler. Puis, c'est facile de connecter avec eux autres parce que tu vois tout de suite qui ils sont. Ouais. Tu sais, souvent, les gens sur Instagram, là, tu peux le voir tout de suite, tu sais, qu'ils publient, puis tu peux voir que la fille a voyagé. Fait que là, tu peux aller poser des questions là-dessus. Tu peux aller voir qu'est-ce qu'elle a tagué. Tu peux aller poser des questions là-dessus. Donc, moi, je trouve ça super facile d'aller connecter avec ces gens-là. Mais oui, j'ai plus de ménage à faire quand je sponsorise parce que ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité. Mais tu sais, il faut peut-être que je coupe ça là, à un tiers là, qui est pas genre. OK. Puis au niveau des hashtags, là, est-ce que tu mets vraiment tout le temps les mêmes ou comme tu dis, tu varies? Parce que moi, je trouve ça vraiment long, honnêtement. Puis j'avoue que ça, je suis vraiment délinquante là-dessus. J'en mets genre trois, là. Je suis vraiment pas... tu sais, sont pas... ça m'intéressait que tu dises de pas prendre celui qui en a full, parce que j'étais portée à prendre celui qui avait le plus de popularité, tu sais. Fait que... Ouais, non, c'est ça, mais... tu sais, c'est ça, j'utilise souvent les mêmes qui me rejoignent moi. Je suis qui en tant que personne? Mais après ouais, ça, eux, je viens tout le temps. Okay. Après ça, je vais selon la publication, puis c'est ça, comme je te dis, tu sais... Puis, tu sais, mon fichier hashtag dans mes notes de mon cellulaire, ça en vient de plus en plus gros, là, parce qu'à chaque fois que je fais une publication, des fois, je suis comme, ah, il me semble que je rajouterais celui-là ou celui-là, je peux changer. Donc, là, tu sais, je joue avec, mais tu sais, au moins, la plus grosse partie est faite. Donc, je fais juste les copier puis je les colle dans mon commentaire. OK, c'est bon. Ouais. Oh, mais moi, c'est tout pour mes questions. Je sais pas s'il y en avait d'autres, je vais laisser la place. moi, les beaux filtres, c'était-tu de cristal, ça? Ben oui, c'est ça, ils sont vraiment beaux, tu sais. Puis moi, peu importe les applications que j'ai, je suis jamais capable de faire de quoi d'original de même. Mais elle utilise Canva.
OK, fait que chaque photo qu'elle fait, elle va la modifier sur Canva. Elle va la modifier sur Canva. Puis, je sais également, sur les stories, ça, je ne savais pas, mais sur les stories, tu sais, il y a des couleurs que vous pouvez écrire votre texte, mais ces couleurs-là, si vous laissez votre doigt pendant comme 3 secondes, la palette a grossi, là, donc vous pouvez aller varier, vous pouvez avoir une couleur plus foncée. Puis, tu sais, pour faire un fond d'une couleur unie, tu sais, des fois, ouais. Moi, je fais tout le temps noir. Fait que je mets mon doigt en arrière puis là, je mets noir. Mais je comprends pas que le monde fait, on peut mettre une couleur. Mais c'est la même affaire. Dans le fond, quand tu fais une photo, je vais le faire en même temps juste pour que je m'en rappelle. Mais, tu prends une photo comme de genre ton plancher, là. Puis là, tu gardes, tu t'en vas dans les couleurs. Puis là, tu gardes ton doigt dessus longtemps. Ça marche pas pour me faire. Ah, mais oui, t'as comme la grosse palette de couleurs, en fait. Ouais, mais là, tu es supposé être capable de faire un fond. Un fond, OK. Ouais, OK. Attends un petit peu. Il faut que tu pèses. Ouais, non, là, je me fais mentir. Je vais retourner voir. Mais il y a une façon. C'est quoi le petit pinceau? Tu sais, mettons, tu as le pinceau à droite, puis ça fait une espèce de bulle, genre, par rapport. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Un pinceau à droite. Ben, c'est une espèce de. Pas un pinceau, mais tu sais, quand tu es dans les couleurs. Oui, ben, c'est pour aller chercher une couleur. Si tu veux la couleur d'un fond, dans le fond, tu sais, si jamais tu as pris une photo puis que tu as. Ah, OK, 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 oui, OK. En arrière, tu peux aller chercher la couleur. Oui, je comprends, c'est bon. Tu peux aller chercher la même couleur. Ah, ben, pour faire le fond, c'est pas. Tu sais, à gauche, tu as comme la. Tu peux monter puis descendre puis tu as la largeur de ton trait. Ouais, mais non, c'est une affaire avec les couleurs, mais c'est peut-être avec le pinceau. Moi, j'ai une question. Oui. tes petits points là, j'ai pas trop compris. C'est pour pas voir les hashtags. Dans le fond, t'en fais comme quoi, 2, 3, c'est. Mais je pourrais aller te montrer, là, mais ceux qui mettent les. Dans le fond, c'est ceux qui mettent les hashtags dans le même dans leur publication. Donc, ils vont écrire, là, tu sais, c'est très court, là, les messages Instagram, là, 5 lignes, là, c'est assez. Puis après ça, là, ils vont mettre là, comme quand même assez beaucoup de points parce que les espaces Instagram, eux autres, tu sais, même si tu fais. Ça marche pas. Ils vont revenir ensemble. OK. Mais, si tu fais des points comme ça, là, ils vont te laisser tes hashtags dans le fond. Dans le bas, comme ça, il n'y a personne qui les voit, ces hashtags-là, sauf les publications, sauf qu'ils sont dans les catégories d'hashtags. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Y avait-il d'autres questions? J'ai-tu fait le tour? Est-ce que les points, ok, c'est ça. Convertir ton Insta en perso en version pro. Ben, recommencer à zéro, tu pourrais, là, mais moi, je ne le conseillerais pas, là. Dans le fond, je relis ta question, là. Convertir mon Insta personnel en version pro. On me dit que ma page relation à mon ancien nom de page. Dans le fond, à ton ancienne page Facebook? Je ne sais pas si je comprends bien la question. OK. Mais moi, je ne recommencerai pas un compte à zéro. Là, si jamais tu as déjà. M'entends-tu, Stéphanie? Oui. Bien, c'est ça, c'est que j'ai changé mon nom de page il y a quelques mois. Puis quand j'ai voulu passer à la version pro, j'ai cliqué là-dessus. Puis là, on me dit que c'est relié à une ancienne page Facebook, mais c'est vraiment la même page que j'ai renommée. Puis j'ai juste comme OK, je peux juste sortir de là, puis je peux plus jamais aller plus loin que ça. Je suis bloquée bien raide. Fait que là, je suis comme un petit peu sa dette parce que j'avais l'intention de m'y mettre. Là, j'ai dit, comme je débute, est-ce que je flush tout ça puis je repars? On dirait qu'il y a un qu'à moi, ça arrive, ça doit faire même. Mais pourtant, ta page, elle n'a pas changé puis elle a juste changé de nom. Tu aurais capable. Oui, c'est vraiment la même page. Et elle n'existe plus, tu sais, ce nom-là. Fait que je peux pas aller nulle part le décocher, l'enlever. Je trouve rien. J'ai l'impression que je suis rendue à cette solution-là. Là. Ben, je ne sais pas combien tu as de followers jusqu'à maintenant sur Instagram. Ben, pas beaucoup. Peut-être une centaine. Ben, c'est quand même. Je ne sais pas. Moi, je continuerai, mais.
En la laissant en version perso? Moi, je suis en version perso en ce moment. Ben c'est ça. J'aime beaucoup parce que moi, ma page personnelle sur Facebook est plus active que ma page pro sur Facebook. Donc, pour moi, personnellement, c'est plus avantageux de les laisser pour l'instant en personnel pour que ça, mes stories soient connectées ensemble. Puis quand que je booste, dans le fond, je suis quand même capable de booster sur Instagram avec... Tu sais, par rapport à Facebook. Donc, je m'en vais sur Facebook puis je publie sur Instagram puis je suis capable de booster comme ça, même si ma page n'est pas professionnelle. Donc, la seule affaire qui me bloque, c'est que je vois pas mes statistiques. Okay. Donc, c'est pour ça que... Mais des fois, je le fais. Je fais juste le switch puis là, je peux aller voir un peu. Puis... Les stats? Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser le Linktree quand même en version perso? Oui, ça veut dire? Oui. OK. Oui. Mais, tu sais, c'est ça, là, j'ai pas encore beaucoup de followers. Tu sais, des fois, on voit les ben, je sais pas si vous suivez beaucoup de coachs, top coachs américains, ou peu importe, là, qui vous suivez. Mais, tu sais, des fois, ils vont vous dire, swipe pas pour continuer à lire, ou swipe pas pour avoir le lien. Tu sais, pour mettre un lien en stories, il faut que vous ayez un minimum de 10 000 abonnés sur votre compte Instagram pour le faire. Donc, puis ça, je sais pas si tu peux le faire à partir d'une page personnelle. Tu sais, donc, c'est peut-être rendu là, qu'il va falloir changer, là. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Quand que on va dans le followers, puis là, ça dit choisir les hashtags de follow, pour suivre, là, to follow. Oui. Est-ce que tu choisis vraiment tes hashtags que toi, tu postes? C'est les mêmes, là, que tu choisis les 20 que tu as présélectionnés. C'est les mêmes que tu vas poster, puis c'est les mêmes que tu vas sélectionner à suivre. Je sais pas si ma question, elle a dit ça. Oui, exactement. Ben oui, parce que je veux vraiment, dans le fond, mes hashtags ciblent mon avatar, donc la personne à qui que je parle. Tu sais, c'est sûr que les hashtags tarte aux pommes, tu sais, je mange pas des tarte aux pommes à tous les jours, donc moi, c'est pas, je vais pas aller suivre un hashtag de tarte aux pommes, parce que ça m'intéresse pas d'avoir ça dans mon... ça me tente pas d'avoir ça dans mon fil d'actualité, mais tu sais, vraiment plus les hashtags qui me connecte à moi, qui je suis, tu sais, qui repart de la liste que je vous ai dit de faire au début. Donc, ces points-là, tu sais, ma liste, je l'ai encore parce que oui, sur ma page, si je reviens avec ces 5 points-là, les plus importants qui sont soulignés, sauf que mon avatar, elle va rechercher les autres aussi, tu sais. Donc, tu sais, que je fais du ski, je le mets pas vraiment dans mes affaires, mais je peux aller voir, tu sais, des familles qui font du ski, les hashtags, tu sais, des affaires qui m'intéressent dans la vie, tu sais. Ça t'aide dessus. Ouais, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai-tu répondu à toutes ceux dans le chat? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que oui, merci Steph. C'était vraiment super pertinent. Puis j'encourage tout le monde à commencer à l'utiliser vraiment. Là. Ça, puis Facebook, là, je pense que c'est... On dit toujours de choisir deux plateformes, là, puis je pense que c'est deux très bonnes plateformes à développer en conjointement. Là, on s'entend que c'est pas très, très plus long de faire les deux puis de connecter aux deux places. Des fois, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui nous suivent, mais en même temps, je pense que ça nous apporte vraiment une clientèle différente, là, comme tu disais. Il y a plein de personnes qui nous suivent que je sais pas c'est qui. Fait que je pense que c'est ça. Merci pour tous les bons trucs. Fait que j'ai enregistré, je vais mettre le lien dans la communauté pour celles qui ont manqué, puis vous pourrez revoir si les vidéos. Fait que un gros merci, Steph. Merci à vous autres. Merci. Bye. Bye, tout le monde.